Yo les gars, c'est Roulian. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. Aujourd'hui, gros match face à Manchester City. À domicile à Geoffroy Guichard, on avait fait l'exploit de Batatico Madrid 2-1, non, je sais plus combien. Du coup là, bah, c'est le deuxième gros match de... c'est le troisième match de poule, mais voilà, on a réussi à faire un sans faute parce qu'on a réussi à battre Moscou. Là, c'était pas trop difficile. Mais là, c'est un autre calibre, donc voilà, ça va clôturer la phase des matchs aller de ces phases de poule. Donc, on va essayer de faire ce qu'on peut. Ensuite, on aura un match championnat face à Lens et un match de coupe face à Nîmes en Coupe de la Ligue. Donc, c'est les combien? C'est le deuxième tour, donc c'est le 32e de finale en gros, je pense. Ouais, je pense. 16e, je pense. Après, on arrive en 8e. Du coup, on a juste regardé, on avait fait combien contre l'Atlético Madrid déjà? J'ai oublié. Ouais, on avait gagné 2-1, c'est ça. Donc là, voilà. Le match contre City, ça va être très compliqué, mais c'est pas impossible parce que vraiment, je trouve que c'est pas si compliqué que ça de gagner en Ligue des Champions, en Ligue des Champions. Mais après, ça va City, donc normalement, je devrais perdre, mais soit il n'y a pas de pression, tu perds, bon, c'est pas grave, c'est City, en plus, on n'est pas en manque de points, donc ce serait pas dramatique. Mais on va essayer de faire le match qu'on peut, donc voilà, l'équipe, elle est là. La même équipe, c'est l'équipe type, donc ouais, ils auront l'occasion de se reposer vu qu'il y a les matchs de coupe aussi. Mais du coup, là, on va continuer comme ça. Donc, du coup, on est parti pour les meilleures actions de ce choc entre l'AS Saint-Etienne et Manchester City. Let's go. Pour surtout pas essayer de se prendre un but dès le début, parce que là, ça compliquerait tout. Non. Oh là là, bien joué. C'est qui? C'est Briançon qui la contre. Heureusement, parce que c'était dedans. Je l'ai vu. Non, c'était très chaud, là, franchement. Oh là là. Bon. Bah 1-0 pour Manchester City, but de Laporte je crois. Non je sais pas, c'est Rodri ou Laporte? Mais en fait je sais pas du tout c'est qui, mais... Mais voilà, c'est Laporte, il était tout seul de la tête. Donc voilà, j'avais dit que ça allait être très compliqué. J'ai pas menti les gars, j'ai pas menti du tout. Mais ouais, ça va être... J'espère que ça va pas se finir en calvaire parce que le match, si on se prend de branlée, ça va être très long. Ça va être très très long, mais je vais essayer de m'accrocher parce que même s'ils perdent, voilà, c'est. Voilà. Mais au moins, il essaie d'avoir une différence de but correcte. Ah non, c'est même plus la différence de but qui compte. Donc. Bon, on peut perdre 6-0. Non, mais voilà, sérieusement, on va essayer de pas prendre, s'il te plaît. Oh là là, c'est chaud. Il est pitié un petit peu, la City, là. Le jeu, max. Les caseries, les caseries. Bien joué ça. On remet. Remet à caserie. L'égalisation de Wabi Caserie. On était mené, on était dominé. Et on égalise sur notre première opportunité. Le 1-2 entre Traoré et Caserie pour la 87e passe décisive de Traoré. J'ai l'impression qu'il fait une passe à chaque match. Et Caserie qui vient égaliser. Et ben on n'est pas mort. Moi je me voyais déjà repartir avec une valise. Et ben, au final, non. Non, la seule valise qu'on aura sera peut-être notre valise de nos affaires après le match. Et voilà, ça fait plaisir. Dans le temps, Traoré. Quand on voit ces photos de muscles qui tournent sur les réseaux, je comprends qu'il a battu Sané au physique. Hein, parce qu'il est vraiment monstrueux physiquement. Mais à Skip, il a jamais fait de muscles. Ouais. Et moi, je suis meilleur youtubeur au monde. Bon, ça, c'est vrai, par contre. Bon, allez, on est un peu de sérieux avec Soumaré. Soumaré, le centre. Oh. Oh là là, c'était chaud. Caserie, par bien joué pour Saint-Maximin. Oh, dans l'axe. Caserie, il a roulé. Oh, la Red Anderson. Oh, j'ai mis la puissance. Là, vraiment, je l'ai pas joué facile. J'ai vraiment mis la puissance. Et voilà, en face, c'est pas un gardien. C'est pas le gardien de Damien. Hein. Même s'il est très très bon, très gardien d'Amiens. Mais il est pas content le coach. Mais là, ouais, l'arrêt est magnifique. L'arrêt est magnifique! Oh, Zuma! L'ancien Chelsea qui était tout près de marquer. Aïe aïe aïe, ça aurait été beau, putain. Putain, oh, fraté, qu'est-ce qui m'arrive? Là, franchement, de faire le match qu'on fait contre City, ça m'enflamme. Ça m'enflamme, cette carrière m'enflamme. De l'autre côté, que Saint-Maximin. La remise. Et Caserie hors jeu. Oh putain de sa main la grosse. On reste calme. Mais ça fait chier. Ça fait chier un petit peu là. C'est l'eau avec Agüero. Agüero Silva. Attention. Attention la frappe. Attention la frappe. Attention la frappe de Silva. Non, je l'avais dit.
Je l'avais dit, les gars, j'avais prévenu, attention à la frappe de Silva, mais j'ai pas réussi à sélectionner le bon joueur pour l'attaquer vite. Ah ouais, mais c'est ça, hein, une grosse équipe comme ça, ils ont pas besoin de beaucoup d'occasions. On les bouffe, hein, on les bouffe dans tous les compartiments du jeu, on va pas se mentir, à part les 10 premières minutes, c'était compliqué, mais depuis l'égalisation, on les domine, mais comme je sais pas quoi, mais malheureusement, bah voilà, on n'arrive pas à marquer le deuxième but, et derrière, bah on s'en prend un. Avant la mi-temps, c'est rageant, mais c'est comme ça, les gars, c'est le réalisme. On n'a pas dit notre dernier mot. On n'a pas dit notre dernier mot. Non, Alain. T'es nul. Tu marques aucun but. C'est faux. C'est faux. Tu marques à tous les matchs. Mais là, c'est vrai que ça aurait été bien de le mettre. Et Gourou, il perd tous ses duels. Bien joué, Kazri, là. Il est monté très haut. Voilà, c'est compliqué, Alain. Je vais être au sol. Voilà, mi-temps. On est mené 2-1. C'est totalement volé. Après, je sais pas si ça se ressent dans les stats. Moscou, tu commandes une gagne de 0. Bon, voilà, je me doutais, mais bon. Ouais, bon, c'est très serré dans les stats, mais dans le jeu, pour moi, en 2000, je suis désolé. On les a mis la pression pendant plus de 35 minutes. Malheureusement, voilà, on se prend un but. Mais c'est franchement, il y a moyen de revenir. Quand je vois la première mi-temps qu'on fait, on peut clairement revenir dans ce match. On peut même le gagner. Voilà, bon, c'est chaud, mais c'est pas impossible. C'est pas un grand Manchester City aujourd'hui. C'est surtout un grand Saint-Etienne en ce moment, donc on va tout faire pour revenir. On n'a pas grand chose à perdre, même si on perd, c'est pas grave, les gars. On est... bon, quoi qu'il arrive, déjà on est sûr de rester deuxième à cette journée. Donc, mais voilà, on va essayer de faire quelque chose. Et ça, Max. Oh, sous-marée. Oh, sous-marée. Oh, mais non, touche là. Juste une petite passe pour Haaland. Frapper. Gundogan non plus. En fait, ils ont tous des bonnes frappes, donc faut laisser frapper personne. Oh, Rodri. Aïe. Oh, heureusement qu'il. Ouais, Agüero, il fait un match de merde. On va pas se mentir. Et c'est cette frappe en résume plutôt parfaitement, je trouve. En caserie, balance, bien joué. Vas-y, petit. Vas-y, petit. Tu passes. Tu passes au centre. Oh là là, il y avait caserie au deuxième. Dommage qu'il ait pas réussi à passer là. Allez, on la met dans la boîte. On la met dans la boîte. Avec Kurt. Il gagne à chaque fois ses duels sur corner. Là. Sterling, tu vois, c'est ça, ils ont Sterling sur le banc, tu vois. Tu souffres, t'es là, bon, tu dis, oh yes, il y a Sané qui sort. Et tu vois, bah, il y a Sterling qui rentre, tu dis, merde. Franchement, c'est dur. Allez, quelqu'un, Kazri. On tente la frappe de Kazri. On tente la frappe de Kazri. Quel but de Wahbi Kazri. Oh là 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 là, je venais de passer en équilibré pour essayer de monter et jouer un peu plus haut pour essayer de revenir. Et là, Kazri qui avait pas trop de solutions, il n'y avait pas d'appel à droite. Je me suis dit, bon, allez, on va tenter la frappe. On sait que Kazri a la bonne frappe, mais là, magnifique frappe de Kazri en pleine lucarne. Boum! Oh là 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 là. C'est de toute beauté. Magnifique Kazri, c'est largement mérité au vu de notre première mi-temps. Même si en deuxième, on a un petit peu plus de mal, mais on arrive à revenir. Grâce à des buts comme ça. Bien joué, c'est son 6. Pourquoi ? C'est son 6e but avec des champions. Ah oui, ça compte les tours préliminaires aussi. Ah oui, parce que là, s'il met 6 buts en 3 matchs de poule. Wow. Mais voilà, ça fait. Du coup, on repasse en ultra défensif, hein, clairement. Ce point me va très très bien. Mais on a même moyen de gagner. Quand je disais qu'on a moyen de gagner, c'était pas une blague. Mais voilà, on peut clairement perdre. En plus, quand tu vois qu'il y a Sterling qui vient de rentrer, ça fait peur. Ça fait très très peur, ça fait très très peur, ça fait très très peur. Ça... Oh la clim, oh la clim. Ah, il m'a climé là. Je sais pas si ça se dit, mais je l'invente ce mot. Il m'a climé. Sérieux, non. Le putain d'engagement, j'en parle à chaque fois, et... mais là, c'est, je me suis. C'est pas grave, allez, on va se concentrer, les gars. Il y a moyen d'aller chercher ce petit point là. On ne pourra pas gagner ce match. Voilà, je me suis enflammé. Mais on peut aller chercher un point. Et un point, c'est énorme. Parce que finir la phase aller en gagnant deux matchs et en faisant un nul dans un groupe comme City, Atletico Madrid, serait plutôt pas mal. Ouh, les Will, 1-2. Bien joué. Le centre pour Haaland. Oh, dommage. Un poil plus tendu, c'était but. Il est parti, Kazri, il est parti. Oh, Kazri. Allez, Kazri, accroche-toi. Accroche-toi, Kazri. Accroche-toi! Magnifique! Wahbi Kazri!
Oh, tu peux embrasser les cuissons, mon pote, là. Ou Happy Kazri, mais sérieux? Sérieux? C'est qui? C'est quoi ce joueur? Il est incroyable, il a 30 piges, mais il est toujours aussi énorme. Oh, il y a une finition, mais de dingue. Ah, Skriniar, il n'a jamais pu le rejoindre. Ah, puis en finition, il est devant le but, il rate pas. Oh là là là, magnifique. Trois appuis partout, et là, c'est. Et triplé, bah oui, il a mis un triplé. Magnifique. Là, clairement, on a déjà le joueur de l'épisode au bout d'un match. C'est magnifique. Mais là, waouh. Maintenant, on va se concentrer, les gars. On le sait, on s'est pris un peu sur l'engagement. Si on peut éviter de le faire deux fois, ça serait bien. Surtout quand il y a Sterling, parce que ça c'est venu tout à l'heure. En plus, il est tout frais. Oh, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Vas-y, Palo. Vas-y, Palo. C'est maintenant, les gars. C'est maintenant. Bon, ok, je me suis enflammé. Je me suis enflammé, mais c'est pas grave, parce que c'est terminé. Match nul, 3 buts partout, le triplé de Wahbi Khazri. Waouh, quel match, quelle émotion. Cet épisode peut pas mieux commencer. Franchement, c'est un putain de beau match nul. C'était hyper équilibré. Khazri, il a eu 10, c'est plutôt mérité. Il y a Tico Madrid qui gagne, mais qui reste derrière nous. Et ce qui veut dire que même si on perd contre City au match retour chez eux, ce qui est probable, et que l'Atlético Madrid va gagner, c'est probable aussi, contre Moscou, et bah malgré ça, on sera quand même devant eux alors qu'on aura déjà fait le plus dur. Parce qu'on a. Ouais, on a 4 points d'avance. 4 points d'avance, c'est pas mal. 3 matchs de la fin, si on bat Moscou, on a notre destin entre les mains, clairement. Si on bat Moscou, ça nous ferait déjà 10 points. Eux, ils sont à 3. Ouais. Franchement, il y a juste qu'à battre Moscou, même si on perd contre City, même si on perd contre l'Atlético Madrid, normalement ça devrait le faire. Mais pour ça, voilà, on n'est pas encore là. Mais bien sûr, il faut que City batte Atlético Madrid. Hein. Si Atlético Madrid bat City, là, ça changerait tout mon plan. Du coup, on est bien. On continue notre série de incroyable de victoires. On doit être à notre 8e, 9e. Donc on est à ma 9e victoire d'affilée. Donc. Ah non, bah non, je suis con, on a fait un match. Mais pour moi, c'est une victoire, sûr. Lens, ils sont combien? Ils sont 18e. Ils ont pris 4 points, 10 matchs, 0 victoire. Donc clairement, là, faut gagner. On va mettre l'équipe type, on va pas se faire prier. On mettra l'équipe B en coupe. Donc voilà, on va partir direct. On va pas perdre plus de temps que ça. On est bien. Hop. Face au sang et or. Ultime, 5 minutes, la même compo. On change pas une équipe qui gagne. Du coup, let's go. Il a signé un Oh oui. triplé lors du dernier match. Bah, il y a un Il a triplé contre mérité City, de ça arrive pas son tous les état jours. d'esprit. Il est en pleine confiance. Ah oh, le bâtard, je pensais que je l'avais. Non! Tire. Oh Et non! Non! ne rend pas traîner pour prendre Oh la là direction de ce là! match. On fait des Il matchs aurait de pu ouf et là pouvoir on. Ouais. l'arrêter, mais non, ça n'a pas suffi. Bon. Il est resté solide du début à la C'est fin. pas grave, on va Il se n'a pas tardé concentrer, à mais je l'ai prendre dit, on est capable l'ouverture du de. score. En ultime, tu peux battre City. C'est donc Tu l'ouverture peux du battre Paris, score. tu peux battre Lyon 1-0. et perdre qu'on lance parce que c'est le niveau ultime et qu'il est. Parfois, il est bizarre. Wahbi Khazri. Du coup, ça fait. On est mené en 0. Il va falloir vite se reconcentrer. On n'égalisera pas à la Frappe mi-temps, on n'égalisera centrée, pas à la ça mi-temps. Et en plus, on va peut-être se prendre un relancé en deuxième. pleine On va peut-être se balle. prendre un deuxième. Oh, c'est encore chaud. Mais non, mais c'est une blague! Le but qui permet à cette équipe de compter deux Oh buts le vol. d'avance désormais. C'est déjà plus Oh confortable le et c'est vol, les encore gars. mieux On quand s'est on peut s'en volé. sortir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. C'est le niveau ultime, c'est trop compliqué parfois. Et. Un Voilà, joueur je qui vais rentre dominer tout City, je en vais perdre le contre mêlement Lens. touché. Là, par contre, c'est Dommage Bachic, qu'il n'ait pas l'erreur. Hein. Le réussi à fautif, marquer le il contre. jamais il doit se prendre. Jamais il doit se prendre un but comme ça, premier Et ça fait poteau. maintenant 2-0 au tableau Et voilà, d'affichage. ils ont deux occasions Ils de sont but. plus à Je touche deux fois l'avance. les montants. C'est Et pas il de a joué chat. 2 minutes de plus. Clairement, j'ai pas de chat. En La plus, là, passe est je rends le ballon. interceptée. C'est ma jeu. Bon, les siffles. Voilà, mi-temps, c'est catastrophe. Et C'est le ballon est catastrophe parce étouffé. que. Catastrophique. 110 c'est la catastrophe, 110 c'est catastrophique. Mais c'est catastrophe, c'est pas très français. On va regarder les stats. Au final, non, c'est pas volé. Hein. Enfin, dans le jeu, vraiment, on domine, mais. Au final, en termes d'occasion, c'est serré, donc voilà. Mais quand même, on fait 3 tirs, mais deux fois les montants, quoi. Reparti, Donc. c'est Saint-Étienne qui a donné le Voilà, coup d'envoi de le cette poteau de seconde période. Zuma. La barre, non, c'est deux fois, c'est la barre. En plus, je leur rends le ballon direct, c'est cool. La barre de Zuma sur corner et puis la frappe magnifique de Mvila qui t'es même surpris parce Qui que tu aura dis été Mvila il a pas de grosse interceptée cette finition. passe. Donc clairement on n'est pas récompensé Et en profondeur, mais voilà. Alan Il reste encore Saint-Maximin, du temps. Oh bien s'il y a joué. quelqu'un pour l'aider. Oh là là. Que Il faut forcément on faire joue haut. attention. Et on se fait Centre puer rapide voilà. Oh poteau. là Et le gardien qui est battu. là. Oh là là, 3-0. Avec Bon bah c'est Mvila toujours plié. en jeu, Salut, bonne il soirée. prend ses C'était premiers Roulian, points du ciao. jour. Bravo. Non sérieux Ah, le match qui a c'est. clairement tourné maintenant.
Après, j'ai peut-être un peu craqué aussi, hein. Attaque de fou, ultra off, il restait du temps. Oh là là, il y a des espaces, il y a des espaces de partout. On se fait pénétrer, c'est un viol, nous assistons à un viol. Mais rien de ça, je défends bien, ils ont le compte favorable en plus. Elle se marrait. J'ai pas vraiment d'appel, les gars, j'ai pas vraiment d'appel. Ouais, c'est. On a abandonné, on a déjà abandonné nos joueurs là. Bukanjo l'enculé là. Il a eu deux ballons, il a mis deux buts. Même pas, il a eu un ballon, il a réussi à mettre deux buts. Gros, mais putain, mais Paensia, pourquoi tu montes pas? Je suis en ultra off. Et ils hésitent à monter alors que contre City, j'étais en ultra défensif. Il arrêtait pas de monter à chaque action. Voilà, c'est bien joué par contre. Voilà, là, c'est une belle action. Enfin, on a quand même marqué un but pour l'honneur, pour les stats. Mais on reviendra pas là, j'y crois plus trop hein, parce qu'on joue plus hein. En deuxième mi-temps, on a arrêté de jouer. Mais là, c'est une belle action, Haaland. Magnifique talonnade de Mvilla. Là, voilà, cette distance, Haaland, on sait qu'il rate pas. Il marque un petit but, mais ça ne changera pas le déroulé du match. Je ne pense pas, sauf miracle. Sauf si on marque tout de suite, mais je pense que Lens, ils vont maîtriser, ils vont garder le ballon tranquillement. Ouais, ils vont faire tourner quoi. Ça sert à Jean quand t'as envie de marquer, t'es mené. Donc tu veux vite récupérer le ballon, sauf que bah, l'adversaire fait tourner. Alors, la conduite de balle dégueulasse là. Ocaserie. Ocaserie, je pense que ça changera rien parce que il y a que deux minutes additionnelles et Lens ils vont faire tourner. Mais on arrive à marquer quand même deux buts. Et là, ouais, j'aurais même pas le temps d'avoir une dernière action. Ouais, faire tourner, hein, c'est logique. C'est logique. Bon bah c'est fini. Défait 3 buts à 2. On n'a pas eu de réussite. Voilà, on touche 3 fois les montants. Et voilà, il y a des matchs comme ça où ça veut pas. Pourtant c'était, ouais, c'était serré, mais bon, la deuxième mi-temps on n'était pas bon, hein, clairement. Mais après quand tu le troisième but m'a vraiment mis KO. Pourtant en première mi-temps on doit mener là. Les deux montants, c'est, ça fait mal. On a eu en deuxième aussi. Ça fait vraiment un gros coup d'arrêt là. Ça fait chier. On était sur une putain de série. Et le problème, c'est que quand tu commences à perdre des matchs comme ça en Ligue 1, ça va devenir compliqué. Parce qu'en Ligue 1, on sait sur FIFA, voilà, tu perds deux matchs, tu peux ne pas être sur le podium. Parce que voilà, Lyon et Paris vont être à 100 points tous les deux. Donc, va falloir assurer. Il va falloir vraiment assurer. Et ne plus trop perdre de points. Du coup, voilà, l'équipe B, elle est là. Du coup, on est parti pour jouer contre Nîmes. Pour le dernier match de cette vidéo en coupe. Hop, du coup. C'est parti, peut-être faire quelques changements. Non, c'est bon. Benkedim sur le banc. On va mettre Fofana sur le banc. Tiens, Vanier, il est apte. On va mettre sur le banc. Voilà, on va partir comme ça, du coup. Let's go. Bon, finalement, on n'est pas encore parti pour le match. Pour la simple bonne raison que je me rappelle pas pourquoi, mais je n'avais pas joué le match. J'avais eu un contre-temps, du coup j'avais je sais pas, je devais avoir un rendez-vous, je ne sais pas, parce que je viens de me rendre compte que dans cet épisode il y avait que deux matchs, donc du coup bah ce match-là est le dernier. Sauf que ça fait plus d'un mois que j'ai pas touché la carrière manager, même si ça se ressent pas trop dans les vidéos parce que j'avais des vidéos d'avance. Mais du coup là on est de retour un mois après comme si rien n'était pour finir l'épisode. Je suis carrément perdu, je sais pas, j'ai regardé un petit peu vite fait, non j'ai même pas regardé le dernier match. Mais du coup on va partir. Voilà, on va partir comme si rien n'était. Et dans le prochain épisode, du coup on fera un petit bilan parce que moi je me rappelle plus de rien. Du coup entre temps il y a eu les mises à jour. Du coup le mode ultime est devenu impossible. Du coup je passe en légende. Et puis voilà, on va partir comme ça, comme si de rien n'était. Père un capitaine, ok. Donc ouais, c'est cette équipe que j'avais mis. Du coup on est parti pour les meilleures actions. Et je sais pas si je vais réussir à faire mon match parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Mais du coup c'est parti. Tu l'as, Banga, tu l'as, bien joué. Captain Perrin. Bien joué, Perrin. Avec Youssouf, avec Nordin. Il est parti, Wadou, il est parti. Bien joué, Nordin. Ou dans l'axe. Oh, Abby. Oh, Abby, le contrôle. La frappe, elle reste pas finie. Perrin, qu'est-ce qu'il fait là? Oh. Oh, Perrin, mais qu'est-ce qu'il faisait là, Perrin? Je sais. Ah, il a fait une montée, Perrin. Ça aurait été magnifique qu'il marque. La reprise d'Abby qui est un petit peu. Bon, elle est pas ouf, il tire sur le gardien. Après, il est sur mauvais pied. Mais Perrin, mais oh, mais il redescend!
Perrin, il veut marquer son but là. Bah oui, gros, qu'est-ce que tu fous? D'accord, attends, il est bien. Ouais, il est bien, ouais, il est bien défenseur central. Je sais pas, il voulait marquer son petit but. Mais du coup, il faut bien se replacer quand même. Dieu sait, tu l'as. Bien joué. Avec tes 57 ans dans le cul, c'est un peu compliqué. Avec le centre, oh, il est bon, ouais, il bute. Ah là là, l'ouverture du score. C'est qui c'est Ripart? Je sais pas c'est qui leur buteur numéro 20, c'est Ripart. Le capitaine en plus. Ah, je savais même pas qu'on pouvait prendre la caméra comme ça. Ah ouais, la paire de. J'ai mal défendu avec Debuchy derrière. Bon, c'est mort, hein. Debuchy est trop lent. Et le centre, et la tête, et le but. C'est pas forcément mérité, même si on fait pas un gros match. Hein. On est moyen, mais Nîmes a rien proposé. Mais bon, voilà, on est mené. 1-0. Ils me font peur un petit peu là. Boadou part. Bien joué ça, y a pas hors-jeu. Allez Boadou. Allez Boadou. Fini. Oh c'est quoi cette passe? C'est quoi cette passe? Pas fini, allez. Bien joué. Oh y a hors-jeu, y a hors-jeu. Abby. Oh c'est quoi cette passe là? J'aurais dû tirer. Oh y a pas grand-chose. Ah ouais, c'est fait chier. Mais là malheureusement, bah y a pas la VAR dans le jeu, donc forcément c'est plus compliqué. Et surtout qu'en putain, en plus j'y pense, au moment où je fais cette vidéo, alors je sais pas quand vous la verrez dans longtemps je pense, vu que j'ai des vidéos encore à monter. Mais au moment où je fais cette vidéo, on est dimanche, et le samedi il y avait Saint-Étienne-Nîmes, on a gagné 2-1. Donc c'est plutôt marrant. Sauf que c'était en championnat, et Kazri a marqué un doublé, et c'était un match dégueulasse. Un nul à chier. J'ai regardé le match, et franchement c'est très triste, à part la première demi-heure, ou le premier quart d'heure on va dire. Les 20 premières minutes, on était pas mal. Derrière, c'était catastrophique, hein. Franchement, deuxième mi-temps, on a été nul à chier. Mais bon, on avait gagné, c'est plus important. Mais c'est vrai que la VAR, c'était. Voilà, ils nous avaient accordé un but, accordé un péno. Non, je sais pas, non, le péno, il n'y a pas eu. Je sais plus si c'était avec la VAR. En plus, 11 minutes additionnel, hein. J'étais vraiment stressé, hein. Bref. Ah merde, j'aurais pas dû m'arrêter faute. Yes, c'est faute. Petit carton. Oh putain, si on peut très. C'est un vice Debuchy, il est tout seul. On peut jouer! Oh! Debuchy! Bien joué l'enchaînement là. C'est dommage que c'était pas un attaquant parce que là ça aurait pu être plus dangereux. Perrin! Oh putain, j'ai cru. J'ai cru les gars. Derrière, mais je vais encore enrouler. C'est pas fini! La tête! Allez, Ben Kedim. Non, l'axe dans l'axe. Avec Dussé. Avec Nordin. Bien joué Nordin, super avec Dussé. Vas-y tout seul! Tout seul, Dussé! Tout seul! Oh oui! Oh Dussé! Notre petit numéro 25 qui vient de faire un petit numéro. Plutôt drôle. Avec le beau travail de Nordin, je pensais pas qu'il allait au bout parce que bah, Dussé c'est pas du tout un attaquant et il a une finition dégueulasse et en plus son mauvais pied mais il arrive à la croiser magnifiquement. Elle est pas puissante hein, mais pas besoin de tirer fort pour. Ouais bon le gardien il aurait peut-être pu l'avoir. Hein. L'avoir. Ah c'est un. Quoi? Ah j'ai pas fait gaffe si c'était contré. Bah du coup si parce que autrement il aurait pas mis. Oh non, j'ai fait monter Chihuahua le con. Allez, Nordin. Allez, Nordin. Il est passé dans l'axe. Oh oui! Il la rate! Oh, il la rate le con. Oh non, tout à l'heure, il était plus dur à mettre en plus. Bon, on va faire des changements, les gars, parce que là, ça va être les pénaux. Du coup, on va mettre des tireurs de pénaux. Putain, par contre, c'est chiant. Je pourrais pas me mettre Traoré. On va déjà mettre Kazri qui s'est bien tiré. Qui ne sait pas les tirer. Bah, déjà, Djoussi, franchement, je vais te faire sortir ce que tu mérites. Hop. Boadou, oh, par contre on va remettre les bons postes. Boadou, il a combien en pénaux? Il a. C'est où les pénaux? Penalty, il a 66. Haaland, il a combien? Il a 77 déjà. On va mettre Haaland à la place de. Pff, je vais sortir un défenseur. C'est con, hein, mais ouais, pour les quelques secondes qui restent, et j'ai plus de changement. Il a combien en pénaux lui? Il a. Oh, 40, bon, je l'aurais pas fait entrer, c'est parfait. Voilà, alors allant d'arrière gauche, ça fait peur, mais c'est juste pour les pénaux, les gars. Mais par contre, on va essayer. Alors, Ripart, il sort. Ripart, ça doit être le meilleur Nîmois au pénaux, donc c'est plutôt cool qu'il sort. C'est un peu con là par l'entraîneur, mais. Mais attention, il faut éviter une dernière action, les gars, parce que là, avec allant de arrière gauche, ça fait un peu peur là, pour la dernière action. Alors, si je me prends un but à cause de ça, en plus, Kazri au milieu de terrain. Oh non, si je me prends un but sur ça, j'ai trop le seum. Non, ce sera pas du tout bon. Hein. Non, 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 non! Touche là, Debuchy, touche là. Bien joué. Oh, il y a peut-être une action. Allez, Ben Kedim. Ouais, il n'y aura pas.
Il va siffler. Il va siffler. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Il n'y a pas hors-jeu. Oh, Bakay, bien joué! Kazri! Oh, Kazri, il rate la balle de match! Aïe, 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 aïe! On vient de rater deux balles de match avec Juicy tout à l'heure et la Kazri. Ah, fait chier. Bon, bah, c'est des pénaux. Donc, ouais, on a fait rentrer Haaland, on a fait rentrer Kazri pour avoir des meilleurs joueurs pour les pénaux. Voilà, on domine, mais bon, malheureusement, ça passe pas. Alors, Haaland en premier. Je préfère Kazri. Kazri, Haaland. Abi, ouais. Boadou, ok, c'est pas mal. Après, bon, là, c'est un peu moins fort avec Perrin. On va plutôt mettre Nordin en 5ème. Ah, Bangor, comme. Ah, Bangor, il est dégueulasse en pénaux. On va plutôt mettre Bangor à la place de Nordin. Voilà. Ouais, ouais, on va laisser comme ça. Et en face, ils ont des moins bons tireurs que nous. Ouais, il y a Touran qui est pas mal, mais il a 42 en finition quand même. Donc, bon. Des prêts, c'est pas dégueu. Après, le reste, c'est moyen. Mais bon, c'est pas ça, ça joue pas forcément à ça. Mais. Et au Kazri, en plus, c'est marrant. au moment où je fais cette vidéo, on vient de battre Nîmes. Et Kazri a marqué un péno. Donc, on va mettre le même côté qu'il a mis. De la même façon. Voilà. En plus, contre OP, c'est le même but qu'on Nîmes. Sauf que là, c'est dans une séance de péno. Touran, allez, Bachich. Oh putain, non, je plonge du bon côté. Alors que moi, si lui il plonge du bon côté, il va l'arrêter à chaque fois, l'enculé. Pardon, je suis un peu vulgaire là. Allez, allons, s'il te plaît. Putain. Mais oui, tu vois, moi c'est. Mais sérieux, arrête, je plonge deux fois du bon côté. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Putain, je vais être rémini sur ça. Mais oui, mais bien sûr, et eux, c'est n'importe quoi. Bah oui, enculé, bah. Ah, je suis désolé d'être vulgaire, mais là, faut que ça sorte. Vas-y, je vais mettre une lucarne, de toute façon, c'est mort. Même là, je suis sûr, il va aller la chercher, l'enculé. Bon, non. Mais c'est mort, putain, et sérieux. Au trait, en plus. Bah, au milieu, vas-y, allez, ciao. Ah, je pouvais pas rêver pire reprise. Alors, moi sans vidéo, enfin moi sans tournée de vidéo, c'est n'importe quoi. On rate deux grosses balles de match, Jussé, Kazri. En plus, on domine et là, n'importe quoi. Et... Sérieux, le deuxième péno, la lucarne qu'il met, c'est un peu n'importe quoi. En plus, je plonge en hauteur, il va. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la dure loi de FIFA. Mais là, j'ai clairement le seum. Du coup, on était 5ème en championnat. Ça, on n'était pas dégueu en championnat. Le retour de blessé Vanier était blessé. Ok, bah, j'apprends parce que moi, j'ai un peu tout oublié. Du coup, est-ce qu'on fait un petit taquet équipe? Oh putain, ah ouais, non, mais c'est chaud. Parce que là, je compte. Ah ouais, non, mais là, je comptais. Ah ouais, la flemme. Non, parce qu'en fait, je pensais à tourner à l'autre vidéo tout de suite après. Mais là, me taper un Paris City avec. Aucun jour de repos, avec deux jours de repos c'est chaud, t'es obligé de mettre l'équipe B ou une équipe type très fatiguée. Je me sens pas d'attaque, je me sens clairement pas d'attaque. Donc là je pense que je vais repartir avec un petit un mois sans tourner des vidéos. Bon, ça j'ai kické deux d'avant, moi je peux me permettre, mais ah ouais c'est chaud. C'est très très chaud là. Donc ouais, putain mais sérieux c'est quoi ce calendrier, je joue tous les deux jours. Ouais mais c'est avec des champions aussi, c'est... Ah ouais, bon là l'équipe B va jouer. Ah c'est très compliqué là, bon du coup on va faire un accueil équipe, j'ai pas tourné de vidéo après là, c'est... Non, ça m'a dégoûté là. Du coup, Bachik plus 1, plus 3 pardon. Trop cool, moi tiens, on va regarder, tout de suite on va pas se faire chier. Attribut qui a augmenté le plus, alors qui a perdu, bah voilà. Les 3 retraités, PR Debuchy et Moulin, bon Moulin c'est pas très grave. Donc Bachik a pris un plus 3, Chihuahua plus 3 c'est pas mal, on a des bons jeunes. Hein. Voilà les 3 joueurs du centre entre Chihuahua, Fofana, Abby, c'est des bons petits gars qui vont. Même Chihuahua, je pense qu'année prochaine, il aura du temps de jeu, ça va synthé. Vu qu'on est un peu en recherche de défenseur central, parce que bon, Perrin il est en fin de contrat, peut-être qu'il prendra sa retraite. On a Kolodziejczak qui risque de partir parce qu'il joue plus du tout et il est nul à chier cette année. Donc Chihuahua, je pense qu'il aura sa chance l'année prochaine, voire peut-être cette saison, on sait jamais. Si Saliba se reblesse, Fofana qui a pris un petit plus 3, c'est bien. Bon, on va pas tous les faire. McTargay, ah, il a une nouvelle tête. Ouais, une nouvelle photo. En plus, je me rends compte, j'ai Haaland. C'est quand même, quand j'ai commencé la carrière en septembre, Haaland n'était pas très connu.
clairement il était pas très, enfin il commençait à se faire un petit nom, mais il était pas connu non plus, c'était pas une star, tu vois. Et là j'ai repéré les gros joueurs avec Haaland qui perce et Traoré. Traoré, il était pas très connu au moment où j'ai recruté sur FIFA. Maintenant tout le monde parle de lui avec son physique incroyable et sa vitesse pour un mec qui fait pas de muscu en plus, c'est ouf. Bon, je pense que c'est faux, mais bon. Bref, du coup, on avance pour le prochain match. Oh, je suis dégoûté là d'affronter. Je suis pas motivé du tout. Là, ça va être très dur. Ça va être très dur. En plus, c'est équipe. Mais quoi? Ils sont. Ça, ils ont joué 2 minutes Haaland. Ils sont fatigués. Ils ont pas le temps de récupérer. N'importe quoi. Bref, les gars, moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian. Ciao.